Alors, dans la religion, les religions non musulmanes du Mali, comme dans toutes les religions d'ailleurs, le rapport homme-femme est très important. Et là, je pense avoir découvert un peu des choses grâce à Françoise Héritier, parce qu'elle a travaillé chez les Samo, qui sont des gens qui ressemblent très fortement aux Minyanka. Et donc au Burkina, à l'époque Haute-Volta. Et ce qui est intéressant dans un culte comme le culte du Nya, mais ce n'est pas le seul, c'est que celui qui veut fonder un culte épouse la divinité. Et donc il devient un mari. Et donc du coup, ces femmes sont les co-épouses du Nya aussi. Et le Nya est lui-même, on dit le Nya, c'est pas moi qui l'ai masculinisé. Quand je suis arrivé sur le terrain, c'était déjà dans la vulgate malienne francophone. Ça n'a jamais été mis au féminin, mais c'est plutôt un pouvoir féminin. Et c'est une sorte d'entité nocturne, surpuissante. Et alors, les hommes l'épousent. Mais c'est aussi dans l'espoir un peu vain de la domestiquer. C'est littéralement faire entrer dans la maison un dieu et le domestiquer, donc le soumettre à l'autorité masculine. Ça ne marche jamais. Cette entité féminine l'emporte toujours. Et la clé de cette suprématie, c'est la faculté d'enfanter. La paternité peut toujours être contestée dans la vie humaine, mais la maternité, jamais. On voit la femme accoucher, c'est elle qui a... Alors, c'est là que Françoise Héritier est intervenue d'une manière lumineuse, c'est-à-dire que la reproduction du même, qu'une femme engendre des filles, ça paraît normal, mais qu'elle engendre des hommes, là, ça devient quelque chose. On est dans une sorte de limite, un butoir de la pensée. Et donc, il y a un type de pouvoir spécifique que les hommes peinent à rattraper. Ils développent toutes sortes de stratégies pour confisquer, puisqu'on a notamment chez la patrilinéarité, où on oublie les ancêtres féminins. C'est jamais aussi clair que ça. En général, il y a toujours des domaines où il y a des ancestralités féminines qui se... Mais enfin, bon, en gros, c'est quand même ce qu'on a appelé des gérontocraties masculines. Et donc, il y a cette figure du mariage. On est marié à une puissance sauvage qui vient de brousse, qui connaît les plantes, qui connaît les animaux, qui connaît les minéraux, etc. Et qu'on vient... On invite à intégrer le village. Souvent même, ça a changé au cours des temps, mais les sanctuaires du Nya n'étaient pas dans le village, ils étaient à l'entrée du village. C'était trop dangereux pour être entré à l'intérieur des habitations. Et il y a un enclos de sacrifice qui, lui, est en brousse, c'est-à-dire que Nya ne mange pas au village. Elle ou il mange en brousse. Et donc il va consommer ses victimes sorcières en brousse. Et donc c'est toute l'affaire du sacrifice. Et donc quand on voit un possédé du Nya avec ses trois sacs sur le dos et qui va manger, et on va déballer les fétiches dans un enclos sacré où les femmes ne peuvent pas pénétrer. Et on nourrit les fétiches par les sacrifices. Et tout ça est organisé par le mari du Nya. Et cette métaphore du mariage, elle est aussi dans d'autres cultes assez connus dans le monde bambara, qui sont par exemple le Komo, qui est peut-être le culte le plus craint et le plus connu, beaucoup plus connu que le Nya au Mali, parce qu'il est beaucoup plus international, disons.
Et c'est, ça, c'est des... C'est, des, c'est d'ailleurs un paradoxe, c'est qu'il y a des masques terrifiants, avec des mâchoires terribles et des tas de cornes et de pics de porc qui piquent et tout ça, c'est fait pour terrifier, mais on ne les voit pas. Ils sont interdits à la vue, non seulement par les femmes, bien sûr, mais aussi par les hommes, parce que ça se produit dans l'obscurité. Donc, les cérémonies sont très belles, mais elles sont, c'est une beauté paradoxale, parce qu'on ne voit rien. Il y a des feux de paille, et donc c'est fantasmatique. Et on voit, c'est énorme. Et alors ces Komo, il y en a qui parlent, il y en a qui ne parlent pas. Donc ceux qui parlent, c'est un peu comme le Nya, et donc il distribue un message et, qui n'est pas clair. Il travaille, et le porteur de masque. Et alors, Lévi-Strauss avait dit que la logique du masque s'opposait à la possession, ça n'est pas vrai. Le masque du Komo, il est possédé. Et il parle à travers un mirliton, et alors il parle comme ça. Et il y a un interprète, qu'on appelle un Yelema, qui traduit, et donc qui dit, toi, dans ta maison, il y a... Est-ce que ça va chez toi? Alors, comme on m'a dit, toujours poliment, on dit, oui, oui, ça va. Mais non, ça ne va pas, il y a une femme qui est malade. Ah oui, c'est vrai, il y a une femme qui est malade, etc. Mais vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Hein, et donc, on rentre dans les prescriptions, etc. Donc, c'est très similaire à la possession du Nya, mais au lieu d'avoir un homme nu, puisque le possédé du Nya, on lui enlève sa chemise, parce qu'il n'est pas civilisé, c'est autre chose. Et c'est un animal qui est avec une gueule monstrueuse, couverte de tuniques en plumes, normalement de vautour, mais était remplacé par les plumes de poulet il y a longtemps déjà. Mais il délivre un message qui est très comparable à celui du Nya. Et donc, le Komo n'est pas reconnu comme un culte de possession, mais on est pas loin quand même de la même logique d'incorporation. Alors dans la zone de la région de Ségou-Sikasso, là, il y a un autre culte de possession lui aussi, qui s'appelle le Nagon ou Nankon, enfin il y a diverses prononciations, ça, qui est un culte de chasse. Et alors ça c'est très important, disons dans tout le Mali et même au-delà, Guinée, Sénégal oriental et tout ça, il y a un culte bipolaire qui est Sané Contron. C'est une puissance double qui est, alors on dit parfois mari et femme, frère et sœur, mère, fille, etc. Mais qui est un culte de chasse avec des objets fétiches aussi. Et pas de possession. Alors sous Alpha Conaré, on a même fait un monument à Sané Contron qui est aussi une manière de dire à l'islam on est encore là aussi. Mais le Nankon, alors il y a des gens qui disent que ça vient du Mandé, donc au sud de Bamako, et d'autres gens disent que ça vient de chez les Bobos, étudié par le Moal, par exemple, au Burkina Faso. Il y a des gens qui disent que le Nankon était pris aux Bobos, mais qu'on y a ajouté la possession chez les Minyoka. Mais donc il est très symétrique, presque de même morphologie que le Nya. C'est aussi, mais les objets sont différents. Ce sont des crosses, les assommoirs pour donner le coup de grâce aux animaux, mais qui sont transformés en fétiches. Et avec aussi quelque chose qui est assez joli, qui est une architecture, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un hôtel, un enclos en brousse, comme le Nya pour les sacrifices, il y a une sorte d'estrade bâtie, un peu qu'ébranlie, je dirais, comme, avec des formes sur lesquelles on fait des peintures, et qu'on refait en principe tous les ans. Et là, il y a les objets du Nankon qui sont amenés et sur lesquels ils ne sont pas amenés dans des sacs, mais dans des calebasses, et on sacrifie dessus. Et là aussi, il y a des hommes possédés. Ce qui est intéressant dans tous ces cultes, aussi bien le Nankon que le Nya, c'est qu'ils ont des familles. C'est-à-dire que
quand il y a une fête d'un culte dans un village, il y a toujours plusieurs autres villages qui sont là, qui sont les maisons de Nankon ou les maisons de Nia apparentées. Et donc, si on prend un village lambda, on peut demander qui est ta mère. La mère, c'est un Nia d'un autre village, etc. Et puis parfois, il y a des court-circuits. La mère s'est révélée trop méchante, ou elle a dévoré tout le monde. Il n'y a plus personne n'existe au village. Donc on cherche une mère adoptive. Et donc on peut étudier les filiations d'un culte. C'est vrai aussi pour le Komo, le Kono, etc. Et alors il y a aussi des cultes où on ne peut pas faire ça, parce que les cultes sont volés. La manière d'acquérir le culte, c'est de le voler. Ça, c'est une petite minorité, un peu bandit, qu'on appelle le Nyanakaju ou d'autres noms comme ça. Mais le Nankon, donc, lui aussi, donc moi j'ai fait des films là-dessus. Là, donc, on a fait une série qui s'appelle Chronique d'une saison sèche, où il y a plusieurs cultes de possession liés à la chasse, à la forge, etc. Et donc c'était une série de 4 films sur lesquels il y a aussi des écrits, mais qui sont un peu éparpillés. On devrait un jour regrouper ça, mais voilà, je ne l'ai pas fait encore. Mais bon, c'était assez important. C'est des cultes qui ont été un peu humiliés aussi par l'administration, parce que c'était des cultes de pouvoir quand même. Et donc, moi j'ai assisté à une scène par exemple où on est en plein culte, les gens font le sacrifice, on chante les éloges de la divinité, le possédé danse, etc., avec toute la foule derrière lui, et puis un garde des eaux et forêts arrive et dit: vous avez allumé un feu de brousse dans le truc. Et alors les gens du village m'ont dit: c'est pas vrai, c'est eux qui ont allumé le feu. Mais ils ont le pouvoir d'arrêter le culte, d'imposer des amendes, etc. Et donc tout ça a décrédibilisé les cultes. C'est ce qui a fait l'érosion. À un moment donné, la quantité de travail du rituel n'est plus à la mesure du pouvoir que ça donne. Et donc par rapport à l'islam, par rapport aux autorités, parce que là, actuellement, le Mali est dans une situation difficile parce que la presse internationale est très obsédée par le terrorisme musulman radical, qui est réprouvé par la majorité des musulmans au Mali. La majorité des musulmans sont des gens extrêmement pacifiques aujourd'hui. Mais il y a cette... Moi je suis très contre cette théorie des brebis galeuses, enfin que le système est... D'ailleurs, on le voit, bon, la France est intervenue, peut-être heureusement, parce qu'ils auraient pris le pouvoir à Bamako, là, avec l'opération Serval et après Barkhane, mais ils sont devant une guerre qu'on ne peut pas gagner, parce qu'il n'y a personne pour défendre la société. Les gens considèrent les agents de l'État comme des prédateurs qui les raquettent. Et donc, ça pète de partout maintenant. Ce n'est plus un problème du Nord qui veut faire sécession, c'est le problème que ce qu'on a appelé la démocratie en 90 et la manière dont ça s'est concrétisé sur le terrain n'arrange pas la majorité de la population. Et donc, c'est ça le vrai défi, c'est que... c'est vraiment un système pervers, parce que d'abord, toutes les tutelles de ces pays, les tutelles néocoloniales ou postcoloniales, ont dit l'État c'est mauvais, donc il y a les critères de convergence, etc., pour faire rentrer des États déficitaires dans un ordre rationnel économique. Et donc on a dit par exemple, il faut privatiser la santé, c'est un désastre, les gens n'ont pas d'argent pour aller se faire soigner, on privatise la santé, ça met hors soin un nombre très important. Bon, on privatise l'enseignement, un désastre. Aujourd'hui, il y a une école qui est financée par les Suédois, une autre par les Néerlandais, une autre par les Belges, par les Français, etc. Il y a l'éducation nationale peine à essayer de rendre tout ça cohérent. Il y a une corruption généralisée, mais ce n'est pas une corruption non plus sur laquelle on aurait un jugement éthique à formuler, parce que, en fait, il est exclu
pour un salarié, quelqu'un qui accède au salariat, c'est pas pour reproduire sa force de travail à lui, pour se présenter sur le marché comme un agent efficace, c'est pour distribuer sur un grand nombre de personnes. Donc pour chaque salarié, il y a 60 personnes à entretenir. Donc celui qui ne partage pas est un incivique. Et donc pour faire ce système de redistribution, il faut puiser dans la caisse. Et donc si on ne change pas, c'est un programme de développement. Il faudrait beaucoup plus de salariat, etc. C'est la seule issue par rapport à ce qu'on appelle nous la corruption. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas réprimer les abus criants, mais il y a un problème structurel. Donc. Et le statut de quelqu'un se mesure aux faveurs qu'il fait, depuis le gardien de parking jusqu'au président de la République. Celui qui a quelque chose donne aux autres. Et donc, bon, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris ça. Et c'est pas. Comme on ne veut pas non plus faire de néocolonialisme, on ne rentre pas là-dedans. C'est les affaires des Africains. Mais c'est un problème de qu'est-ce que c'est que le capitalisme en Afrique aujourd'hui et la démocratie. Et il y a des bouquins aujourd'hui, Afrodystopie de Joseph Tonda, c'est un bouquin terrifiant qui montre la méchanceté du pouvoir. La thèse de Tonda, c'est que le pouvoir africain rêve dans la tête d'un autre. Et l'autre, c'est le blanc, celui qui contrôle les capitaux, les machines, etc. Et donc, on est dans le contraire de l'utopie, c'est-à-dire l'utopie, c'est le rêve, la dystopie, c'est le cauchemar.